Bipez-moi l'étoile, mon étoile d'amour. Mon étoile d'amour. Après le mariage, oh, c'est pas la guerre. Après le mariage, oh, c'est pas la guerre. Mon étoile d'amour. Mon étoile. Makhribilov. Mon étoile, Makhribilov. Makhribilov. Charité santé, aux essais. Elle dit que ma femme est lavée. Charité santé, aux essais. Elle dit que ma femme est lavée. Elle dit Charité santé, elle dit que ma femme est lavée. Là, je me suis fait une bonne douche, un gommage avant, voilà. Je vais revenir sur ça après. Je vais revenir sur ça. On est d'abord sur Kribi. On est d'abord sur Kribi. On est d'abord. Je cherche, je trouve, je supporte. Bipé, 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 bipé. On atteint le nombre, après on commence. On atteint le nombre, après on commence. Parce que la Kribi clé. Je suis désolé, vous savez, les hommes n'attachent pas parce qu'ils ne savent pas. Les hommes d'aujourd'hui, surtout certains crades, surtout certains blogueurs crades comme les Ducambino, doivent savoir ce qu'on appelle le savon. Doivent savoir ce qu'on appelle le savon. Ma cribiclère d'amour. Ma cribiclère d'amour. Mireille, au lieu de me poser la question que Oshiga c'est qui pour toi, tu peux poser ta demande. Tu dis que j'aimerais vraiment poser ma demande parce que amère qu'amère tu m'intéresses. N'oubliez pas les étoiles. Pardon, bipez-moi Edith. Voilà une de mes milliardaires qu'on a failli faire fuir. Edith, ma milliardaire, mon amour, ma queen. La queen des queens. Maintenant, je vois ma reine cœur m'appeler. Elle m'appelle plus choucré. Elle dit, amen, 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 tout ma. J'arrive sur toi, ma chérie. Toutes tes petites dragueurs, là, ils vont comprendre qu'il y a un protocole d'accord. Toutes tes petites dragueurs, là, ils vont comprendre qu'il y a un protocole d'accord. Je sais que je suis le blogueur le plus propre, présentable, charismatique et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je fais un petit, je nettoie un peu mon visage. En principe, je vais vous dire quelque chose. On parle le nombre, on partage. Maximum de partage. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo où l'étoile très bien est en train de m'embrasser, de ma. Non, ma chérie, vos mots. Ouais, Seigneur, 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 Seigneur. Hey, Amen, où est-ce? Tu es qui? Une femme mariée. Voilà le travail d'une femme mariée avec Amen, Amen. Voilà le travail d'une femme mariée avec Amen, Amen. Voilà le travail d'une femme mariée. Voilà comment on a. Je ne sentais pas. Wow. Ma chérie, j'étais stagiaire chez Fingon. J'étais stagiaire chez Fingon. J'avais fait l'école de Mvemba. Je sais de quoi je parle. J'étais stagiaire chez Fingon. J'avais fait l'école de Mvemba. Je sais de quoi je parle. Quand il dit que tu m'as yamou, c'est moi qui ai caché. Seigneur. C'est comme ça que les femmes mariées. Quand on dit souvent que les femmes mariées quittent leur foyer pour aller discuter avec Ndoumba, on pense que c'est le mensonge. Voilà ça qui est dehors. J'étais le meilleur élève de Fingon. Le meilleur élève de Fingon, c'était Amen Kamé. Oui, mon professeur principal, c'était un Vimba. Donc, quand tu regardes le parcours du gars, tu comprends. Regarde, regarde. Même Fingon m'a regardé la vidéo. Fingon m'a appelé. Fingon m'a dit, t'as la petit frère. Non, il sent que tu es en train de vouloir venir nous dépasser. Vous-même, regardez. Regardez. Femme mariée. Femme mariée. Regardez, là, je ne sentais pas. Oh, maman, les seins. Amen. Oh, si vous dites, on sortait. Oui, on sortait d'où? Les gens viennent dire que quoi? Vous voulez dire que quoi? Que ça, là, c'est quoi? C'est l'amicalement. Ça, c'est amical. C'est important. Oui, maman. Gentleman femme, le niasseur de la toile. Je vais niasser toutes les blogueuses de la toile. Il n'y a aucune qui va se qui sera. Aucune. Tout le top 5. On est en train de dire que quoi? Donc, elle m'a dit qu'elle sentait les étoiles. Je suis allé directement me laver. Il a dit que non, elle veut faire le laver, c'est à me laver. Elle m'a dit, quand même, tu sens les étoiles. J'ai dit que non, je vais aller me laver directement. Parce que si ma cribiclère d'amour,
Mais dès que tu sens des choses, c'est obligé de me laver. C'est obligé. On va commencer. Vous l'avez dit que traitez-moi de menteur, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Ouh, Seigneur, 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 regardez l'animal. L'animal a tué. Attendez, attendez, mais attends, je mets 2 minutes avant. Regardez-vous-même. Regardez-vous-même. On le tourne. Regardez l'animal. L'homme a souffert. Le bousail. L'homme a l'élégance, le signe. Quand tu regardes le mari de cricket et cribé, il peut atteindre le niveau C. Vous comprenez maintenant la gestation gestaculaire. Vous comprenez maintenant le charisme. Ça, c'est quoi ça? C'est une femme qui se comporte comme ça. C'était un truc amical. C'était amical, c'est amical ça. C'est amical ça. Ça se voit qu'on avait l'habitude de se voir. Ce n'est pas les histoires de qu'on tourne autour du pot. Ça se voit qu'on avait l'habitude de se voir. Vous pensez qu'elle a dressé au chien. Chaud dehors. De fois, je discute avec lui. Il dit que dites menteur, dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. C'est elle qui est venue avec l'histoire là dehors, non? C'est elle qui est venue dire qu'on est sorti ensemble, non? C'était moi. D'ailleurs, que laisse au Chica. Personne ne doit savoir. J'ai toujours nié. Attendez. Parce que de temps en temps. J'ai toujours nié. J'ai toujours dit que non, oh, moi je ne suis pas au courant. Vous pensez que. Attendez, 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 attendez. Quand vous voyez l'étoile cribienne, quand vous voyez comment on était en train de s'embrouacher, quand vous voyez comment on était en train de parler, elle ressemble à quoi? C'est comme ça que c'est la première fois qu'on se voyait. On vous a dit que c'était la première fois qu'on se voyait, c'est la question que je vous pose. On vous a dit que c'était la première fois. Même avec Marc, on ne sait pas. Non, 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 là-bas c'était au milieu. Non, non, on va revenir là-bas, on va revenir sur Marc. On va laisser. Le tombeur de la toile. Hé, alors, aïe. Eh, ah oui, c'est Hello Didi, Aman. Aman, ah oui, c'est Hello Didi. Oh, 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 Amen. Ah oui, c'est Hello Didi, petit. Ouais, maman, c'est la tête. Il dit que, Goma, dit que je suis. Aïe, maman, maman, aïe, maman. Ah, 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 je te dis que, les femmes qui sont mariées au blanc là, toujours dans les imbos de la mère Kamé, ouais, je n'aime pas trop ta relation avec Oshigala, je t'ai déjà dit ça, il t'avait dit comme ça, vous voir que moi, sont elles. Maman m'a encore parlé, que c'est que, tu sais, l'étoile cribienne, j'aime beaucoup l'amour, l'étoile cribienne, ma cribienne d'amour. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur le site internet de l'étoile cribienne, voilà. C'est l'étoile cribienne.com. Pardon, affichez un peu le site de l'étoile. Si quelqu'un le. Pardon, copiez-moi le site de l'étoile cribienne, vous mettez là. C'est ma chérie. Et si vous oubliez de faire la publicité, elle fait comment? Et ça, maman, hey, maman, voilà la tête de l'étoile cribienne. Maman, elle aime la tête, si vous voulez. Ouais, ma cribiclair d'amour. Donc, c'est cribiclair.com. Oui, je pense que c'est cribiclair.com. Pardon, écrivez. Toi qui envoies la tête de moi, là, le cul de ta mère. Tu as compris? Maman, on est. Ouais. Amen, Kamé, l'étoile qui vient a vu quoi sur toi? C'est-à-dire que quand je vois ta gestation, ta façon de faire, je vois l'étoile qui dit, maman, c'est. Il dit, les gens me disent que oh, tu ne vaux pas le mari de l'étoile qui vient. Je ne suis pas là pour me comparer avec le mari de l'étoile qui vient. Je vous rappelle d'abord ça. Je ne suis pas là, je ne fais pas l'union sans ça là. Je ne fais pas l'union sans ça. Quand j'ai fini, nettoie, là, j'ai fait un gommage, j'ai fait un massage du cuir chevelu, un gommage et tout, tout, tout. Quand je finis, je me nettoie tout simplement. Je ne fais pas l'union sans. On appelle ça nettoyage corporel. C'est-à-dire quand t'as la peau fraîche. Bon, maintenant, on continue. Je ne suis pas là, et je tiens à rappeler quelque chose. Arrêtez de me comparer avec le mari de l'étoile cribienne. Arrêtez de me comparer avec le mari de l'étoile cribienne. Je suis le Njomba. Je ne suis pas son mari. Donc, ne changez pas. Moi, je suis le Njomba. Je ne suis pas, je suis l'amant. J'aime les obstacles, j'aime quand ma langue entre les poils comme ça, là, je sais que c'est révolu. J'aime les obstacles petits. Il y a 50 ans, on a connu que les femmes avaient les poils. Oui, petit, je suis tout terrain. J'aime les obstacles. Partagez-moi le live là. Il dit que partagez-moi le live là. Chacun aura sa dose ici aujourd'hui. Donc je tiens à te dire quelque chose. Ne me comparez pas. Je vois beaucoup de gens me comparer. Je vois beaucoup de gens me comparer que oh, tu ne vaux pas le mari de l'étoile cribienne. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Enlever le mari de l'étoile cribienne dans nos affaires. J'ai un problème avec ma. Quand c'est le contrôle, on appelle ça comment? C'est mon amant. On appelle ça. Quand c'est le contrôle, on appelle comment? Le contrôle, on appelle ça comment? Mais j'ai 17 enfants seulement, mais c'est qu'il n'a encore rien fait. Il est encore peuplé. Parce que la grossesse de Chica qui est en train d'arriver là, ça correspond.
À côté, le monde est en train de dire qu'on se garde enceinte, je ne sais pas. Je ne sais pas. Demande à Ducambino d'acheter d'abord le savon. Ducambino achète le savon et de grâce, de fois, bon, moi, je me lave avec le savon noir. Derrière les oreilles aussi. Enlève le caleçon. Non, c'est le caleçon que je vais porter maintenant, c'est où? Le caleçon derrière moi. Attends, non, je vais te montrer le caleçon que je vais porter. L'étoile qui vient, quand il met le boxeur. Parce que quand il met le boxeur, mon corps là, ça dit quand il met le boxeur, le 53 goûts. Les femmes qui disent qu'on est marié avec les blancs. Voilà le travail des femmes qui sont mariées avec les blancs dehors. Voilà le travail des femmes qui sont mariées avec les blancs. Toujours en train de nous draguer dans les réseaux sociaux. Mais quand même, mais quand même. Et Amangé même Bayani, Amangé même Bayani. Ouh, Amen. Eri, comment on appelle, si je suis, c'est mon amant. C'est entre amants, on est bon. Si c'est la cribienne, ton amante, tu dois connaître ça. Non, c'est question. Que vous me traitez de menteur ou pas, ce n'est pas mon problème. Tout simplement pour une seule raison. Pièce à conviction numéro une. Pièce à conviction numéro une. On va mettre la pièce à conviction numéro une. Voilà. Pièce à conviction numéro une. Amen, quand même. Attends, c'était là tout à l'heure. Pièce à conviction numéro une. Faut pas qu'on se... Voilà, voilà les pièces à conviction. Pièce à conviction numéro une. Voilà ça. Maman, le goût de ça. Ouh, il y a, il dit que tu peux, voilà. Ça veut dire tout simplement qu'on a nos habitudes. Ça, c'est une pièce à conviction que même devant le juge. Même devant le juge. Tu peux pas nier. Il n'y a que le noir qui pénétrait la première pièce à conviction, monsieur. La relation est établie. Elle est là. J'ai dit que laisse Oshiga, c'est à cause de toi que arrête d'attaquer Oshiga, parce que Oshiga est en train de mener des enquêtes sur une autre relation. Elle a repris la vidéo, elle a enquêté. J'ai nié jusqu'à là. C'est elle qui a sorti ça l'autre jour. Bon, la tête va briller, vous allez comprendre ce qu'on appelle la brillance de la tête. Ouf! Ouais. Comprends pourquoi l'ingabelle sort. L'ingabelle qui l'a en pouvoir pour moi. Merde! Ouais, Seigneur. Ouais, ma mère est morte. Oh. L'amour que ma mère m'a donné, je ne savais pas que les femmes allaient discuter l'amour là-dedans. Hey. Massa. Explique. Les gars, pour tous ceux qui disent que oh, un vieux de 50 ans, je ne suis pas pressé de vieillir. Ceux qui veulent passer, je vous laisse le passage. Aller vers le chemin de la vieillesse. Moi, à mes camés, j'ai bloqué le chemin de la vieillesse. J'ai bloqué le tout travail. Je repousse la vieillesse au nom de mes ancêtres. Je repousse la vieillesse au nom de mes ancêtres. Donc, quand vous voyez les blogueuses qui sont mariées avec des blanches, qui discutent le 53 cm de haut avec les pas célibataires, Massa, toute une semaine pour le 53 cm d'Amer Kamé de gauche à droite. Oh, Flore, tu es de l'autre côté, Amer, tu as me gâté le mariage, tu as me gâté le mariage. Il dit qu'ils tremblent tous devant le 53 cm. Toutes celles gauches. Il dit que tous mes rivaux tremblent devant le 53 cm. Petit frère Boulot, mon bébé, Kondé Boulot. Petit Kondé Boulot, Kondé Boulot, Kondé Boulot. Oui, à manquer. Mais écrivez le lien, non. Mettez le lien, je vais épingler. Mettez le lien. Grâce divine, écris le lien, je vais épingler. Surtout, écris le lien, je vais épingler. Surtout, c'est un plus ce champion titulaire là-bas. Attendez, c'est un plus ce champion titulaire là-bas. Ouais. Ma bouche va me tuer. Attendez d'abord. Attendez d'abord. Je ne sais même plus si titulaire. Je mon étoile d'amour. Elle m'appelait souvent. Oh mon. Elle m'appelait mon. Elle m'appelait jamais par le prénom que Flo m'a donné. Et de jour. Elle m'appelait jamais. 50 ans. Voilà un corps de 50 ans. Petit. Même les footballeurs n'ont pas le corps aussi. Même les footballeurs n'ont pas le corps aussi. Voilà le corps que l'étoile tribienne bagarre avec ça dehors. Seigneur, on parle de quoi? On parle de quoi? Même les footballeurs n'ont pas le corps aussi. Vous voyez l'étoile tribienne bagarrer dehors pour ça là. Regardez, dites que même les footballeurs n'ont pas le corps aussi. Eh bien, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Vous blaguez seulement, hein? Vous blaguez seulement. Vous blaguez pourquoi? Je dis que même les footballeurs, le corps si, on voit les toits, vous allez que les toits qui viennent bagarre pour le corps si, pourquoi? Et bagarre pour le corps si, pourquoi? Hmm? Vous pensez que bagarre pour le corps si, pourquoi? Encore avec autant d'entretien, quoi, que moi, mec, quand même, je vais m'amuser que oh, non. Partagez le live. Et mettez-moi le site. Mais vous n'avez pas il n'y a pas les étoiles ici. Mettez le site de votre reine des étoiles, comme ça.
Regarde, regarde. Et quand je dis, moi, tu me demandes que je suis encore normal, Nana. Eh, Nana, elle veut Bob là. Tu me demandes que je suis encore normal. C'est la vie, c'est la vie. Moi, j'enjoy. J'enjoy. Ça veut dire que si on voit une femme qui a épousé un blanc, venir discuter un gars dehors, vous pensez que c'est pourquoi? Oh! Mon général, je dis quelque chose, attends, on fait un petit blême. Général, je te laisse seulement parce que quand vous êtes en train de gagner, Makoso gagne la finale. Si le jour on va vous éliminer, pour l'instant, tu as je ne réponds plus, je suis vraiment tranquille. Parce qu'il y a un proverbe, attendez, je pingle là, oui. Il y a un proverbe chez nous qui dit que, général, écoute ce qu'il va te dire. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand quelqu'un ne combat pas quelqu'un qui gagne. Voilà pourquoi, général, j'ai abandonné. Voilà, il y a le site de Kribi, il y a le site du Kribi Clair qui est épinglé. Voilà pourquoi, général, j'ai abandonné. C'est-à-dire que pour les, tu ne peux pas encore parler de la Côte d'Ivoire, je laisse. Mais un jour, le jour où vous allez perdre, Makoso, je serai dans ton live. Ne t'inquiète même pas pour ça, là. Je serai dans ton live. Pour l'instant, gagne. Gagne. Gagne la finale. Parce que le jour, on va vous battre. Tu vas dire le. Bon, on continue. Dis-donc ceci. Laisse Makoso. Chaque fois que je suis quelque part, il vient. Non, Makoso, moi et Makoso, nous sommes ce qu'on appelle les ennemis rapprochés. Donc, je disais donc ceci. Les femmes qui ont épousé les blancs, jusqu'à celui qui pense que c'est la première fois qu'on se voyait, ne connaît pas la vérité. Vous parlez de quoi? On est en train de parler d'un litige. Soit elle quitte complètement le mariage et elle se déclare comme concurrente de Flore, comme concurrente de Chica. Soit elle quitte complètement le mariage et elle dit qu'à mère, je te veux. C'était simple. Mais moi, j'ai dit, c'est que si elle peut supporter la polygamie. Donc, si elle peut supporter la polygamie, qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Je ne mets pas n'importe quel parfum. Voilà le parfum quand même. Voilà le parfum quand même. 3,50€ chez Action. On parle de quoi? 3,50€ d'Action. Je peux mettre autant que je veux. 3€ chez Action. Quand on dit les femmes qui ont épousé les blancs là, partagez-moi le live là. Les femmes qui ont épousé les blancs là, vous êtes allé le courir derrière nous. Tu es allé le courir derrière nous. Voilà mon parfum. Varanti. 3,50€ sur Action. Et ne blague pas avec ça. Oui. On parle même de quoi? Les gens sont là, oui. Non, Amé, tu inventes. J'invente quoi? J'invente quoi? La preuve, voilà le site de manga qui est posé là. Abonnez-vous, allez sur le site de kribiclair.com. Allez vite sur son site internet. Mais voilà. Vous parlez même de quoi? Les gens sont en train de parler. Maman, demande. J'ai un petit zizi, demande à l'étoile. Demande à l'étoile si j'ai un petit zizi. Je n'insinue rien, mais j'ai dit seulement demande à l'étoile. Demandez à toutes les gars. Elles vont vous confirmer que le 53 centimes. Quand on vous parle, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? On a dit que c'est les petits blogueurs. Vous voyez une femme venir. Compresso, elle est là, maman. Raconte-le l'histoire de ta copine qui était venue te voir que maman, j'ai su. Une fille que je ne connaissais pas. Hein, que récemment, elle est venue voir Compresso. Compresso monte. Elle est venue voir Compresso. Elle dit à Compresso que maman, tu connais la mère quand même. Compresso dit c'est mon frère. Elle dit que, hey, le gars là m'a fait. On parle de quoi? Si les toiles cribelles insistent violente au Chicago à cause du 53 cm, vous pensez que c'est des blagues? 53 cm de substance personnelle, vous pensez qu'on donne ça dehors? Vous prenez les petits morveux comme le Ducambido. Le bout est petit comme ça là. Vous avez déjà le bout du Ducambido? On parle de quoi? Quand je vois comment les messages disent que oh, je grimpe le cocotier, quand tu regardes le message, tu sens d'abord que c'est un éjaculateur précoce. Ça veut dire qu'on ne te demande même pas. Tu sens, il est grand le gabarit avec. Tous ceux qui sont costauds comme messages ont un petit oui. Mais c'est eux qui parlent toujours que non. Moi, je ne parle pas du 53 cm. Ce sont les gars qui font ma promotion dehors. Attends, Marco, ma pépé. Voilà. Entre ici. Ok. Le cas n'est pas, les gens pensent que, man. Ouais, tel est impossible de l'ajouter. Ma pépé, écris, je te prends directement dans le live. Écris directement, bien. Attends. Comment j'aime là que tu ne sais pas écrire? Ouais, ça marque impossible de prendre. Ressort, tu entres encore. On parle même de quoi? Tu as seulement tout mal les femmes là. Est-ce que je dis que vous parlez? Hey, maman, regarde comment est mignon. Regarde comment le gars est mignon. On va voir un rat comme du Cambindo. Il y avait une soirée là-bas à Brive. Parce que le jour qu'elle est venue, elle m'a demandé comment tu connais Amère Kamé comment? Elle commence à me raconter. J'ai appelé Amère Kamé, c'est vrai. Elle m'a dit que Seigneur. Elle m'a dit que Seigneur, que elle était partie. Elle a vu Amère était mignon. Ils ont passé une belle soirée. La personne qui l'a même amené, le gars rentre avec la personne,
Elle a refusé de rentrer. La personne a dit qu'elle reste ici là, sans savoir quelque chose qui l'attendait. Dès qu'elle a vu le truc, elle est. Non, parce que des fois, hein, diamant bleu, quand je discute, on pense qu'il ment. J'ai dit que c'était plus que la tête. Elle a dit que c'était plus que la tête de l'enfant. Voilà. Quand aussi, elle a commencé à me dire que je te soupçonne qu'il y a eu quelque chose entre toi et toi, Pudel. Au début, je niais non. Mais moi, elle jurait par là que je niais non. Oui. Elle dit, regardez-moi la vidéo aussi. Est-ce que c'est la première fois que ces gens se voient? Je t'ai demandé, tu m'as dit que tu as voulu manger la bougerie. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de dire que les gens disent que non. J'ai épinglé d'abord son lien pour que les gens ne disent pas que non. C'est parce que c'est la bonne manga. J'ai dit à l'étoile qui vient que laisse Oshiga. Ouais, même pour moi, pour l'amour que tu as pour moi, laisse Oshiga. Elle me dit, ok, je vais laisser Oshiga à condition que tu ne t'affiches plus toi avec elle. Voilà pourquoi tu as entendu qu'il y a la paix entre Oshiga et. L'étoile qui vient. Non, mais la paix qui avait entre. Non, moi, la paix qui avait entre. Ils ne savent pas qu'il y a des moments où il faut même doser un peu. Vous ne pouvez pas tirer sur l'ambulance. Quelqu'un est touché, elle a mal. Elle est en position de faiblesse. Vous ne faites qu'appuyer, appuyer, appuyer, appuyer. J'entends les gens dire qu'elle est mal élevée. Elle est mal élevée plus que les kilos sur la toile. Voilà. Non, franchement, parlons bien sur la toile là. Il y a plus mal élevée qu'une blogueuse là sur la toile. Aucune blogueuse n'est sainte. Nous toutes, nous sommes mal élevées. C'est qu'on fait souvent, on pose souvent disant que bon, on prend un peu de l'âge, on va un peu faire. En plus, c'est une jeune. Donc elle va rester là quand on vient la lyncher, elle ne dit rien. On l'insulte, on ne dit rien. On prend son gars, elle ne dit rien. Non, mon frère, Oshiga, bats-toi, hein, maman. Tu as eu ton gars, tu as eu la Lumbaya brille. On va prendre. Hein. Bats-toi, ma fille, bats-toi. Tu sais que moi, je ne suis pas un garçon compliqué. Pas un garçon compliqué. Parce que les gens ne connaissent pas. Comme tu n'aimes aussi, tu n'aimes. Comment ça, une dame? C'est le litchi de Oshiga que tu devais épingler ici. J'ai épinglé le litchi. Tu sais que bon, comme il fallait d'abord que, comme je parlais de l'étoile, il fallait d'abord qu'épingle pour dire aux gens que non, c'est une histoire entre amant et amant. Donc, maintenant, j'ai épinglé le litchi de. J'ai épinglé le. Toi, le Kribien est fâché. Elle est très fâchée là. Attends, la Kribien est fâchée pourquoi? J'ai déjà la Kribien ici. Attends, je vais te dire. La première fois qu'elle s'est calmée avec Oshiga. Je vais te poser une question à main. Oui. Tu as une relation avec l'étoile Kribien? Bon, j'explique, ça dit que c'est clair. Mais j'avais dit à l'étoile Kribien que maman là où tu es là, pardon, si tu m'as aimé, laisse Oshiga tranquille, pardon. J'ai même négocié. Elle me dit ok, je te laisse, mais à condition, je ne veux plus que tu t'affiches avec elle, un genre que nous on est là. Parce que moi et l'étoile Kribien, on est sur nos live TikTok ensemble là-bas. Ok. Donc, me dit que si je suis dans le lac, je ne veux plus que je vienne là-bas. Il reste tranquille. Je dis que mais maman, les gens, à force de faire ce que tu as fait de dire là, les gens vont finir par savoir qu'il y avait une relation entre toi et moi. Donc, là où on est là. Mais non, donc c'est sérieux comme ça. Quoi? Maman, c'est parce que vous n'êtes pas dans TikTok. C'est la guerre dans TikTok. Bon. Les gars, on TikTok là-bas, les gens sont trop mal élevés. C'est pour ça que moi, je n'aime pas là-bas. On est mal élevés là-bas. Et dit qu'ils se sont venus au même à ce TikTok. Et ils sont restés comme ça, maman. Ils étaient mal. Tu sais que entre Tanga que tu as là, et tu en veux. Mais le problème, c'est que j'ai toujours dit ceci. Ce qu'il y a entre toi et moi, ça reste entre toi et moi. Il y a les amis que je ne peux pas clasher parce que ce sont une marche avec compresseur. Mais j'accepte passer ces compresseurs. Mm-hmm. Et j'ai dit à l'étoile qui t'aime que pardon, avec l'amour que j'ai pour toi. Tu sais que j'étais vraiment. Calme-toi. Tu sais. Calme-toi. Au début, elle était d'accord. Une fois qu'on s'est arrangé en inbox, on est donc venu sortir pour faire Oshiga comme quoi, oui. Bon, voilà, maintenant, il n'y a plus de problème entre toi et. Mais sauf que c'était conditionné. Non, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas d'accord. Oshiga est quand même. Non seulement on l'a agressé, l'enceinte, on vient encore l'agresser. Voilà pourquoi donc. Quand on a agressé. Ce n'est pas bon. Voilà pour. Une soeur. Une camerounaise. Baisse un peu l'âme. Quand son agression va finir, tu vas encore revenir. L'étoile n'est pas une clasheuse. Hein. Depuis ces jours-ci, je vois elle. Maman, c'est le cœur de l'étoile. Maman, est-ce que c'est le cœur? C'est le cœur qui parle. Non, l'étoile, moi, je la reconnais pas là. Elle n'est pas comme ça. Pour l'étoile, là. Pour l'étoile, maman, je te dis, c'est le cœur qui parle. Quand on a déjà arraché son gars, elle voit. Et ce qui a encore énervé l'étoile, c'est quand ils sont allés faire un mois sur Oshiga. Mais elle a failli péter un peu. Vous n'avez pas vu son comportement. Le un mois qu'elle fait sur Oshiga, elle a failli péter un peu. C'est que j'allais l'appeler. Moi, je ne la reconnais pas. Elle est agressive. Elle est. Je sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas une clasheuse. Mais depuis un certain temps là, je vois une clash là. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte souvent que. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que l'étoile qui vient, c'est une clasheuse? Non. Qu'est-ce qui peut faire sortir une gars? Avec la rage, à part le camp. Hey, tu peux être crédible un peu. Maman, je
Non, parce que moi, je vrai, non, vrai, non. Non, beaucoup de gens pensent que je mange. Je vais te dire, je vais te dire quelque chose. Quand tu regardes, si on te dit, non, je vais te poser une question en toute sincérité. Si on te dit que c'est la première fois que je vois la fille ici, avec l'image, tu peux croire. Tu peux croire que c'est la première fois. Non. Pardon, surtout quand tu as tapé sur la tête. Surtout quand tu as tapé sur la tête. Est-ce que c'est la première fois que je me rends compte avec toi? On s'était déjà vu au moins plus de 5 fois. C'est parce que c'était seulement caché. C'est pas la première fois. Ce qui m'énerve, c'est que. Ce qui m'énerve, c'est que c'est elle qui vient encore avec. Laisse. Laisse. Elle me dit, je ne laisse pas. D'ailleurs, qu'on avait déjà nos antécédents depuis que je suis allé. Parce que je te rappelle que quand je suis en train de chercher, je lui ai fait le rapport. Ah oui. Je lui ai fait le rapport pour, ouais, ma chérie, pardon. Laisse, tu sais que. Ouais, toi, mais je t'avais dit que non, c'est un truc. C'est-à-dire qu'il fallait que je calme les toits qui viennent de l'autre. Mais toi, moi aussi, Amé. Tu n'es pas prêt à te poser. Mais tu aimes combien de gars à la fin? Mais moi, je suis fatigué. Tu aimes combien de gars? Tu m'embrouilles là. Tu as combien de gars? Alors, je suis là. Oui. Ça, mais... Non, oui. Non, le problème c'est que les gens confondent souvent les choses. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour nous aimer. Mais c'est vrai aussi, mais on n'est pas obligé de tous aimer. Mais on n'est pas obligé de tous aimer. On n'est pas obligé de tous aimer. Quand quelqu'un a déjà le dos à terre, tu laisses d'abord la personne se relever. Sinon, si tu continues à atomiser quelqu'un qui est couché par terre, ça c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté, ça. On ne tire pas, même quand on va en guerre, on ne tire pas sur l'ambulance. Voilà. Tu laisses la personne venir au corps à corps. Parce que j'entends les gens depuis là, on accule Oshiga. Oshiga est mal élevé, Oshiga a manqué de respect, Oshiga c'est si, Oshiga. Pour tous ceux qui veulent motiver Oshiga, il y a son lien qui est épinglé. Donc il y a son lien qui est épinglé. Allez faire un tour là-bas, ça va beaucoup le motiver. Tu mets combien? Donc allez faire un tour là-bas. Et surtout, n'oublie pas. Ça veut dire que. Non, cette petite que tu as, elle connaît, fait la différence des réseaux sociaux et la vie réelle. Oui. Yaro, c'est un message pour toi. Il faut que tu envoies un message, que tu allais dire à Flo. Ok, il n'y a pas de souci. Tu dis à Flo, tu la laisses tranquille. Non, je te donne le message. Non, je te dis d'abord, ma copine a dit que tu laisses son nom tranquille parce que son gars, elle a un gars en ce moment qui est très sérieux. Et j'entends. Mais, elle m'a appelé, j'entendais comment le gars disait que. Je vais te poser une question. C'est quoi ce mélange-là sur les réseaux? Je vais te poser une question. Est-ce que son gars peut m'empêcher, moi, d'aimer ma reine cœur? Ben oui, il peut t'empêcher. Donc il va arrêter, d'aller dans mon cœur pour empêcher mon cœur d'aimer. Non, mais il est sérieux. Hein. Tu dis que tu as les plaquettes de chocolat, le gars là est debout. Hein. Ma chérie. Tu sais qu'elle aime les boxeurs? Je connais la route du Bénin. J'ai deux oncles en bonbon. Ça me dépasse physiquement, j'entre dans le mystique. Là-bas, il ne discute ça avec personne. Non, mais Amé, j'ai ri. Amé, vrai, j'ai ri comme ça. Vrai. Elle est sérieuse. Elle est remontée. Elle dit qu'il faut que tu la laisses tranquille. Mais j'ai dit, le gars, elle m'a trouvé, elle ne m'a pas trouvé. Elle dit qu'elle ne veut pas sortir avec toi. Elle a son gars. Son gars n'est pas dans les réseaux. Mais elle ne veut pas un gars qui est sur les réseaux sociaux. Le gars, elle m'a trouvé ou il ne m'a pas trouvé. Il t'a trouvé. D'accord. Comme il m'a trouvé là, il faut qu'il paye d'abord le forfait de ça. Moi, je ne peux pas finir. Peut-être que tu l'as trouvé parce que je me rappelle qu'elle parlait toujours qu'elle a son gars. Je n'ai pas donné le nom du pays. Elle parlait toujours. Camerounaise, je réponds une question, pas une autre question. Je suis camerounaise. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer, à laisser nous, non. Non. Amen. Il faut laisser ma copine respirer. Laisse ma copine respirer. Elle a son gars. Je t'ai dit, hier, j'ai parlé avec. Elle parlait avec le gars. J'écoutais comment elle parlait. Le gars était énervé. Je vais te dire quelque chose. Elle a dit qu'elle va arranger ça. Ouais, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose techniquement. Est-ce que j'ai refusé la relation qui a... Le cœur de Flore, c'est comme l'immeuble. Il y a les chambres à louer. Il y a les maisons. Il y a les studios meublés. Chacun sa part dedans. Je n'ai pas dit que je la place du gars. Ma place est très saine. Mais elle ne veut même pas se partager avec quelqu'un. Elle a dit que... Mais est-ce que je lui demande? Mais elle ne veut pas. Tu vois, tu imposes. Il dit qu'elle veut te poser une question. On ne peut pas interdire quelqu'un d'aimer une personne. C'est la règle de base. On ne peut pas... On va te lancer les beaux cas. Ma chérie, attends deux secondes. Je vais prendre mon nappe de sorcier déjà ici chez moi.
Mais quand même, elle rit là. Ma copine est sérieuse. Elle a dit que tu la laisses tranquille. Elle avait dit qu'elle avait le caramongo. Elle avait dit qu'elle avait le caramongo. Non, Ange, on va se battre maintenant. Elle avait dit qu'elle avait le caramongo. Non. Bon, à tous les créateurs du flow, le attends, pas avec ça. Attends, tu connais moi, ma copine. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on fait heu, elle baisse la tête. Non, mais je ne parlais pas pour non, ta copine. C'est le gars qui t'as normal. Est-ce que tu connais comment elle est? Est-ce que quelqu'un peut la faire peur? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut intimider ma copine? Est-ce que quelqu'un peut intimider ma copine? Tu sais l'avantage que j'ai su. Non, réponds, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intimider ma copine? Qui peut intimider ta laisse ça. Quand le gars la parle, tu entends seulement comment elle dit que non, mon bébé, non, mon cœur, c'est bon, c'est un fou. Elle a dit que tu es deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Deux secondes, vous avez les pièces à conviction. Moi, je marche à les documents. Amen, Kamel, je n'aime pas ça. Ma copine a dit que tu es fou. Elle a dit que tu es fou. Mais ça c'est rien, ça. Oh. Quoi, c'est rien? C'est rien du tout. Montre-moi une vidéo semblable comme ça. Montre-moi une vidéo semblable comme ça. Ça, c'est rien. Ça, je veux c'est mon bébé. Elle appelle sa pièce unique. Il n'y a pas dessus. Il n'y a pas comme ça sur la toile 2. C'est pièce unique. Il faut qu'elle dise à ma copine qu'elle fasse comme si ça l'énerve pas. Plus elle montre que ça l'énerve, plus je me sentis ça. Attends. Mais toi, on n'a pas bien vu la partie. Maman, toi, tu as vu la centrale, non? Tu as vu comment c'est centralisé, non? Oh, amen. Moi, je n'aime pas ça. Comment c'est amen, en ce moment-là, je vais te dire une pure vérité maintenant. Dis-moi, quand tu fais comme vérité. Ça, là, tu mets maintenant la petite où? Parce que quand tu fais. Ils ne sont pas des dames. Non, ma copine n'est pas de là. Elle seule n'est pas des dames. Le tout, c'est. Non, ma copine a dit la soirée à sa retraite. Maman, le gars, là, il est méchant. Il gronde. Je vois comment ma copine se soumet. Ouais. Le gars, là, gronde, mais il est plus grand que toi. Maman, il gronde. Si ça me dépasse physiquement, j'entre dans le mystique si ça me dépasse physiquement. Tu n'as pas compris, moi. Non, mais pardon. Moi, j'aime le gars, il est gentil. Je vais te dire là que tu me choques. Moi, tu sais que moi, je suis la bonne mendiante. Moi, il parle là, donc, me choque, mon frère. C'est vrai. C'est vrai pour moi-même, là. C'est vrai que moi, il parle de Mochoko, il est trop gentil. Donc, tu peux en convaincre ici. Non, mon donc, frère ne va pas me choco. Tu vois, souvent, il dit que je parle à Maman Domba, là-bas, va me donner tout ce que je veux. Lui, me choco ici en dingue. Non, lui, me choco. Tu vois, un dieu gabonais comme ça, là, qui est ma cour, tu me dis que quoi? C'est un gabonais, non? Tu dans un gabonais, arrache la femme à un gabonais, tu as vu ça? Laisse-le prendre. Non, il ne peut pas le laisser prendre ça. Non, il ne peut pas le laisser. Ils ont beaucoup de projets, ils s'aiment. J'ai demandé, posé la question. J'ai dit à ma copine que je vais aller parler à mère. Est-ce que tu aimes ce monsieur-là? Elle me dit que Kota, je ne t'ai jamais dit ça, je l'aime. Mais c'est pour ça qu'elle t'a dit alors ceci. Elle aime son gars. Je vais te poser une question. Mmh. Son amour avec son gars, moi, ça, je ne gère pas ça. C'est là, ça ne me regarde pas. Amen. Ouais. Ça ne me regarde pas. Laisse ma copine gérer son amour, pardon. Ma copine, ça, oui, première fois que ma copine, dès qu'on parlait à la vidéo. Je pouvais même mentir, c'est qu'elle a donné même 3 000. J'ai cru qu'on parlait à la belle vidéo, mais voilà. J'ai oublié, au nom de Dieu, j'ai cru qu'elle était en train de parler sur la belle vidéo, j'ai oublié. Allez, va. Au nom de Dieu, j'ai oublié qu'on soit en direct. J'ai cru qu'on était en train de parler, c'est moi l'appel vidéo, toi et moi, et adieu. Ouais, tout le monde. Jamais bon. Moi, pour moi, tu es tordu. Il dit que. Pour moi, n'est jamais bon. Mais, je te dis, voilà ça que j'ai dit en public. Ma copine a dit que ne viens pas gâter. Que nous, on avance, on ne recule pas en arrière. Voilà son virage. Ne viens pas gâter son virage là. Dans ce cas-là, il faut qu'on se fasse un au revoir, un bon au revoir. Ah, tu veux le bon au revoir là comment? C'est qu'est-ce que tant qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux, je gagne. Non, il n'est pas dans les réseaux, il n'aime pas toutes ces choses-là. Mais puisqu'il a présenté, ma copine à sa famille, mais sa famille aussi est sur les réseaux. Quand ils voient ça, ils ne sont pas contents. Lui, il n'est pas sur les réseaux, hein, vraiment. Ce n'est pas son truc, quoi. Ah, comme je m'énerve alors, il pense que c'est un nouveau boulot que tu viens de me trouver. C'est non, nous pas sur les réseaux, mais sa famille est sur les réseaux. Mais en tout cas, un gabonais pas me gagner. Jamais. Non, je vais poser la question. Tu es sûr que tu aimes ce monsieur que je viens d'entendre avec Valérie, qui parlait là. Que c'est un Togolais. Ce n'est pas un Togolais, il parlait avec l'accent de Gabonais là. J'ai entendu, non? Si, maman, il dit que
Maman, les gens ont les docs ici là. Aïe! Les gens ont la documentation ici là. Maman, on parle du Gabonais. Vous venez avec le Togolais ici comment? Non, non, c'est pas un Togolais. C'est pas un Togolais. Moi, j'ai entendu. Tu vois comment ils parlaient là, les Gabonais parlaient là, non, avec leur accent là, non? Ouais. Voilà. J'ai dit bon. Que j'ai écouté. Yeah, on a commencé bien hier. Yeah. Je dis ceci. Les gars, les réseaux sociaux, c'est fait pour rigoler. Les réseaux sociaux, c'est fait pour perdre le temps. Les réseaux sociaux, c'est fait pour se faire de l'argent. Oui. Nous ne venons pas dans les réseaux sociaux pour nous faire des ennemis. Vrai, moi, j'ai pas d'ennemis. C'est vrai. Toi, Bien, c'est ma soeur. Flore, c'est ma soeur. C'est vrai. Ça veut dire que quoi? Quels qu'en soient nos différents, on doit respecter que quand quelqu'un entre, il va blesser. Ah, mais je vais te laisser, je vais tourner mon poisson. Regarde ce que ton beau va manger aujourd'hui. Ok, maman. Ouais, on va faire comment? Maman, il va me faire une doc. Il faut que je bac aussi là. Il faut bac. Mais elle a le bras cassé. Amen, quand même, concentre-toi sur Chica. Comment elle va me concentrer sur Chica? Je vais laisser les toits qui viennent aquí. Je suis là entre. Donc, je disais, non, ceci. Bon, là, c'était juste. Bon, ça, c'était la pause publicitaire. Ça dit que c'est l'exemple. On appelle ça pause publicitaire. Ça vous permet un peu de rigoler. Respect pour lui. C'est pas pour. Je m'en compte, je m'avais écrit dans ses pauses. C'est comme ça qu'il m'a écrit. Il sait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais il sait que je nous clash mal. Là, il est en train de gagner la canne. Là, il est en train de. Tant qu'il est dans son truc de gagner la canne là-bas, vous avez vu de l'Europe. Depuis là, j'ai laissé les Ivoiriens. Je ne les parle plus. Laisse-moi tranquille. Et je prie tous les jours pour que la Côte d'Ivoire puisse perdre cette canne. Je prie tous les jours pour que la Côte d'Ivoire puisse perdre cette canne. Voilà. Donc, Oshiga, essaie de mettre ton lien PayPal là. Donc, j'étais en train de dire ceci. Et Oshiga sera en live tout à l'heure. Je ne sais même pas si elle sera en live tout à l'heure. Attends, je vais, combien il y a du monde. Je ne sais pas si tu seras en live tout à l'heure. Donne-moi l'heure du live si tu seras en live tout à l'heure. Donne-nous l'heure du live tout à l'heure, comme ça tu seras en live tout à l'heure. C'est pour vous dire ceci. Quel qu'en soit, nos différents. Oui, mets ton pied par lui, mets ton pied par écrit, mets ton pied par comme ça je. Quel qu'en soit ton pied par, quel qu'en soit nos différents, quel qu'en soit notre façon de faire, quand je réprimande quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne aille ouvrir son live. La relation qu'il y a entre moi et l'étoile caribienne ne doit pas impacter sur ma relation avec Oshiga. À partir du moment où la relation avec l'étoile qui vient traverse déjà de l'autre côté, il faut que je le structure tout. Il faut que je le mette tout en ordre. Il n'y a pas de crédibilité là-dessus. Il n'y a pas de crédibilité. Tout le monde sait l'amour qu'il y a entre toi et moi. C'est visible, ça se voit trop. J'ai beaucoup d'amour pour toi, ma grande. J'ai beaucoup d'amour pour toi. J'ai énormément d'amour pour toi. Mais s'il te plaît, de grâce, respecte la relation que j'ai avec Oshiga. Respecte cette relation, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Tu es quelqu'un que tu es dans mon cœur. Je fais ta publicité tous les jours parce que tu es dans mon cœur. Tu es quelqu'un que j'aime, j'apprécie, j'adore. Ce n'est pas parce qu'on est devenu distant. Je m'en ai pas de souci. Mais les preuves sont là. Je vous ai dit quelque chose. Je vous le montre la vidéo. Ma part ne parle pas loin. Amère Kamé parle avec les preuves. Amère Kamé parle avec les preuves. Je vous ai dit ça l'autre jour. Voilà quelqu'un, je vois pour la première. Si on vous dit que c'est la première fois, il faut être idiot pour croire. Ça peut être la cinquième fois qu'on se voyait. La cinquième fois. On va vous dire que vous allez croire que c'est la première fois. On est là comme si on ne se connaît pas. On est là, c'est rien. Moi, ça me faisait mal parce que les gens regardent. Moi, ça me faisait mal le jour-là parce que les gens sont en train de regarder. Tu as dit que tu es en train de mettre, je ne sais pas quel message elle envoyait. Non. La relation, quand il dit que la relation que j'avais avec l'étoile, c'était une relation plus. Relation aussi plus. Affinité. Mais le problème, c'est que elle ne voulait pas que. Elle pensait que j'allais rester comme ça tout le temps. Mais non. Elle ne pensait pas. Elle pensait peut-être que non. On parle des vroom. Elle prend en puissance. Ma mère pensait que c'est une blague. Mais par contre, avec l'étoile qui revient, ça dépasse déjà. C'est-à-dire que là, on sent vraiment que c'est comme si on a pas deux co-épouses à une co-épouse qui ne fait qu'attaquer l'autre. C'est venu ça. Parce que tu ne peux pas être que sa mère Kamé qui te charge. Tu laisses sa mère Kamé, tu vas tomber sur Oshiga. C'est que ce n'est plus crédible. C'est que ce n'est plus normal. À un moment donné, laisse Oshiga respirer. Viens, je vais t'appeler demain matin. Bon, là, je vais t'appeler demain matin vers 11h. Comme ça, on va discuter tranquillement. On va discuter
T'es tranquillement. Ça m'énerve qu'on soit toujours. Tu as fait le live hier soir, oui, c'était bien, mais tu as fait le live hier soir, mes chéris. Est-ce qu'on avait vécu, est-ce qu'on avait décidé que c'est cette vie-là qu'on veut mener? Est-ce que c'est là qu'on avait orienté notre relation? De toi à moi. Non. Voilà. Donc, à un moment donné, attendez. Non, je suis en train d'envoyer un message à l'étoile. Donc, je disais donc, tout à l'heure, Oshiga sera en live à 20h30 pour parler. Elle va parler vraiment de ce qui s'est passé. Elle va vous raconter vraiment, si elle a le moral, elle va vous raconter vraiment ce qui s'est passé. Mais baisse le cœur. Baisse le cœur, ma chérie. Toi et moi, on sait bien qu'on est, on est potes. Mais il faut baisser le cœur. Ça va faire que beaucoup de gens vont se réconcilier, beaucoup de gens vont faire. Regarde, on se retrouve. Je te le prends tout à l'heure. On se retrouve. Je ne suis pas un saboteur. Je vais saboter pourquoi? Je ne peux pas saboter quelqu'un que j'apprécie. Je ne peux pas saboter quelqu'un que j'aime. Je vous le dis, je vais dire ça tout à l'heure. Je ne peux pas. Mais il faut qu'elle baisse le cœur quand même. Deux fois. Non, je ne peux pas. Non, tout à l'heure, je... Ok. Tout à l'heure, je vais passer directement en mode visio. Parce que là, comme je suis en live sur un truc, on va parler tout à l'heure en mode visio. On va parler de Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o, ça sera beaucoup plus en mode visio. Mais comme je suis en train de vous dire, et je vous répète, il n'y a pas de... Comment je vais dire? L'étoile cubienne, c'est ma personne. Je vais discuter avec elle en privé pour essayer de calmer la tension. Mais toi qui viens, qui montre aux gens qu'il y a eu quelque chose entre nous, c'est pas mère caméra. C'est l'étoile cubienne. C'est pas mère caméra. Parce que des fois, vous pensez comme c'est la mère caméra. C'est toi qui a la charge tout le temps. C'est elle qui charge tout le temps. Mais la vérité, voilà. Moi, si on me demande qu'il y a eu quelque chose entre toi et l'étoile cubienne, je vais dire qu'il n'y a rien eu. Je vais dire qu'il n'y a rien eu. Tout simplement pour son image. Tout simplement pour son image, je vais dire qu'il n'y a rien eu. Alors. Oui, je serai dans le live d'Oshiga tout à l'heure. Le live d'Oshiga, c'est à 20h30. Donc, voilà. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, c'est que je vous embrasse très fort. Ça a été un plaisir de vous voir. Big up à vous. Tout à l'heure, on se revoit à 20h30 sur la page d'Oshiga. Merci à vous.